Bonjour à toutes et à toutes, c'est Aza, bienvenue pour cette 13ème vidéo sur American Truck Simulator. Aujourd'hui, petite vidéo assez détente, 230 km, on va au Grand Canyon Village, on va essayer de voir le Grand Canyon. On livre un rouleau compresseur de 9 tonnes, voilà, et ouais, 230 km, ça va être tranquille. Aujourd'hui, vidéo détente, sans prise de tête, on va parler un peu d'actu du vidéo, tout ça, mais ce sera vraiment tranquille. Aujourd'hui, le but est de voir le Grand Canyon, voilà. Allez, hop, vous pouvez voir que j'ai un W900, ce n'est pas le mien encore une fois. Mon souci d'offre de fret est réglé, mais par contre, j'avais 1300 km, j'étais à San Francisco en fait. Donc du coup, je préférais prendre une mission rapide pour être directement dans l'Arizona, voilà. Allez, on y va, on va livrer notre rouleau compresseur. Allez, c'est parti, on va commencer directement par le gagnant du concours ce mois-ci. Le gagnant du concours est Kane Gaming. Bravo à toi, tu gagnes un code de 25€ pour Gameoniac.fr. Tu pourras te faire plaisir en jeu vidéo sur console et tester les offres que Gameoniac propose. Voilà. Contacte-moi directement par MP sur YouTube, Twitter ou Facebook. Je t'enverrai le code directement. Voilà, je reste concentré parce que là, on n'est plus que sur une voie. Attention. Et on va s'enfoncer dans le désert de l'Arizona vers le canyon. Regardez-moi comme c'est beau, c'est magnifique. C'est superbe. Allez, on va prendre la droite. Le stop, il n'y a personne. On y va. Let's go. Allez, aujourd'hui c'est détente absolue. La semaine prochaine, je vous garantis qu'on fera un peu plus long. Mais là, c'était vraiment, je veux voir le Grand Canyon. Oh, le retour des montgolfières. Allez, direction le Grand Canyon. On va essayer de le voir aujourd'hui. On arrive au Grand Canyon Village, donc du coup, je pense qu'on va le voir quand même. Ah, ce serait être un petit peu maudit si on le voit pas. Voilà. Oh, ça c'est du beau camion ça. Regardez comment la couleur qu'il a, il est beau. Franchement, il est très très beau. Allez, on y va. Merci à toi de me laisser passer avec ton Audi. Ça, du moins, ça ressemble à une Audi. Allez, on y va. On fonce. Limité à 64. Ah ouais, là c'est magnifique. Là c'est très très beau. Allez. On va rester concentré. Ne pas se perdre, s'il faut qu'on se perde pour trouver le Grand Canyon, on le fera, il n'y a pas de souci. Tant pis pour la livraison, hein. Là c'est le but, c'est vraiment de découvrir un peu cet état de l'Arizona, de voir le Grand Canyon, voir comment c'est. Bon, j'ai déjà vu dans certaines vidéos, c'est très beau et j'aimerais bien le voir ensemble, qu'on le voie ensemble. Donc c'est parti, ah, je crois que des W900 depuis tout à l'heure. Ah, c'est du beau camion, c'est certain. Limité à 89, on va foncer un petit peu et on y va. 80, voilà, c'est bon, hop. Voilà, voilà. Bon, sinon aujourd'hui on va parler un petit peu d'actu de jeux vidéo quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais Wonder Boy 3 est de retour. Le remake de Wonder Boy 3 est de retour et ça c'est fabuleux. Je sais pas si vous avez vu le teaser ou le trailer, mais c'est fait à la main, tout, c'est super beau quoi. C'est super beau et ça donne vraiment envie. Ça sort cette année sur PS4, Xbox One, PC, etc, etc. Et ça me fait plaisir. En tout cas, j'ai adoré ce jeu à l'époque, je vais le refaire dans ce remake. C'est Day One absolu. Rien à dire là-dessus, ça va être magnifique. Voilà, voilà. Et en actu jeu vidéo, bien sûr, j'ai déjà parlé la semaine dernière de No Man's Skies. Mais No Man's Skies, il est officiellement repoussé cette fois-ci et il sortira normalement en août. Je l'attends avec impatience et j'espère qu'il va vite sortir, qu'il ne sera pas de nouveau repoussé. Voilà, voilà. Ouais, j'ai retenu que ça, en actu jeu vidéo, qu'est-ce que je faisais à gauche, moi? Ah, c'est à droite maintenant qu'il faut aller. Ouais, le bonhomme. On a retrouvé le bonhomme de la dernière fois. Grand Canyon Village à droite. C'est bien par là-bas. Voilà. Il fait pas super super beau. C'est vrai qu'il fait pas super beau. Faites voir un peu. Ah non, regardez-moi. Oh là là. Oh les nuages. Oh là là. C'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui va m'arrêter. On va y aller. On va foncer tranquillement. Voilà. Alors il nous reste 125 km, ça va aller très très vite. Mais bon, je voulais faire cette vidéo avant de reprendre vraiment les grosses livraisons de 500 ou 600 km. Là je voulais vraiment faire celle-là, qu'on le voit le Grand Canyon maintenant. Et sinon j'ai eu accès à l'accès anticipé, c'est peu de le dire, de Mirror's Edge Catalyst. Ça y est, le jeu est dispo en accès anticipé avec les EA Access. Moi je l'ai sur PC et bien sûr j'ai commandé le jeu sur PC aussi, hein, parce que bon, ça tourne à bloc sur PC, ça c'est génial. Et le jeu
Il est vraiment très très bien. J'ai déjà fait les 4 heures sur, les 4 heures sur 6 de l'accès anticipé. C'est un truc de fou. Il me reste une semaine avant la sortie du jeu. Il va falloir que je calme un petit peu. Sinon, je vais me retrouver back dans l'eau. Et je peux plus y jouer. Voilà. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, vous pouvez finir le jeu avec l'accès anticipé parce qu'il est court. C'est vrai qu'en 4 heures, j'ai fait 30% du jeu. Hein, au niveau de l'histoire. Après, tout ce qui est complétion à 100%, c'est pas fait. Mais voilà. Au niveau de l'histoire, je suis à 30% environ. Déjà. Voilà. En 4 heures de jeu. Bah, il sera un peu plus long que le premier, mais pas beaucoup plus. Je voulais faire une photo, moi. Voilà, une photo. On tentera de faire une photo au Grand Canyon aussi. Mais là, je voulais faire une photo quand même, là. Voilà, parce que ce W900, il déchire. On est dans le désert. Je veux pas voir les autres voitures. On va faire comme ceci pour l'instant. On va voir si je fais comme ça. Oh, c'est pas mal, on voit bien le museau, là. Ça, c'est du bon gros museau, comme j'aime. Allez, c'est parti, on va tout droit. On remet la vue normale. Et on fonce, voilà. Ben c'est tout. On va parler un peu des jeux que je vais avoir prochainement, des vidéos qui arrivent prochainement. On va faire une vidéo de Valkyria Chronicles qui est ressortie sur PS4. Et je vais recevoir aussi One Piece, certainement. Atelier Sophie, Grand Kingdom et Odin Sphere. Il y aura vraiment du jeu japonais cette semaine. Ce mois-ci, pardon. Pas cette semaine, parce que ça fait trop de vidéos non plus. Ce mois-ci, parce que les jeux sont pas tous sortis. Et voilà, en tout cas, ce sera certainement des vidéos découvertes pour la plupart ou des vidéos premières impressions. On verra ça par la suite, mais vous aurez ceci sur la chaîne, des titres japonais à ne plus savoir qu'en faire. Voilà, et c'est pas tout le monde qui feront ces jeux, donc autant profiter. Voilà, c'est limité à 56, je suis à 80, je suis un petit peu en excès de vitesse quand même, je crois. Je crois bien, voilà. Nous arrivons, il reste 42 km. Grand Canyon Village découverte. Waouh! Alors, à gauche. Personne à droite. C'est bon. On y va. C'est parti. Let's go! Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des gens qui mangent, ils pique-niquent. Tidbit, ok, Tidbit, Tidbit, ok, pas de jeu de mots s'il vous plaît avec Tidbit. Ah, quoique, ça pourrait faire l'objet de rigolade sur le débat. Allez, faites-moi des petits jeux de mots dans les commentaires avec Tidbit, voilà. Je sais pas ce qu'ils ont cherché ce nom, mais voilà, ils ont mangé à Tidbit, voilà. Enfin bref, allez, on continue. Hop, limite à 56, 89 maintenant. Nous arrivons bientôt au Saint Graal, le Grand Canyon. Moi, j'espère qu'on va le voir quand même. Ce serait bête de pas le voir. Ah, quand même, Grand Canyon Village. C'est là où il y a le Grand Canyon quand même. C'est fait pour les touristes ici. Oh. Oh, le ciel. Oh, qu'il est beau le ciel. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. On va se remettre un peu comme il faut sur la route. Il commence à faire nuit, on va mettre les feux. Plein phare. Non, d'ailleurs. Je mets les essuie-glaces à la place, c'est super. Nous arrivons au Grand Canyon. Alors, monsieur le Grand Canyon, tu es où? On va ralentir. Est-ce que... Attendez, on va s'arrêter. Hop, on s'arrête. Est-ce qu'il serait par là? Non, non, non. Allez, on avance. Ce sont les personnes derrière moi, je crois. Ah si, j'ai fait bouchon. Oh, pardon, désolé. Hot dog. Motel, ça marche. La livraison est par là. On va pas les livrer. Moi, je vais essayer de voir le Grand Canyon. Bitumen, c'est là-bas. Flagstaff, Williams. Je peux pas aller là-bas, c'est bloqué. Est-ce que je peux passer à gauche? On s'en fout de la livraison, hein. Je vais voir le Grand Canyon. On peut peut-être même détacher la remorque. On va pas le faire. On va passer par là parce que ça doit être par là. J'ai peur de m'aventurer trop loin si je monte là-bas. Hop. J'ai pas envie de partir n'importe où. Attendez. Attendez, attendez. Là, c'est l'hôtel. Voilà, c'est bien marqué en gros, c'est l'hôtel.
Le Grand Canyon, tu es où? Monsieur le Grand Canyon, vous êtes où? S'il vous plaît. Revenez un peu sur nos pas. Grand Canyon Village à droite. D'accord, ça c'est la livraison. D'accord, il m'a mené. J'étais un peu trop loin en fait. J'ai fait 40 km pour rien. Si, pour faire la livraison, mais pas pour voir le Grand Canyon. Donc, on va suivre le Grand Canyon Village. On va revenir au Grand Canyon Village, vers là-bas. On va faire demi-tour, hein. Pas de soucis. Pas de soucis. Ah, c'est vrai que c'est superbe là. Là, c'est magnifique. Oh là là, quel coucher de soleil! Superbe! Voyons voir. C'est parti, on va suivre les panneaux. On y est. On y est. Il est là. Par contre, on peut pas le voir comme il faut là. Infraction, c'est pas grave. Le Grand Canyon dit par ici. On va essayer de se mettre par là. Il est ici, les amis. Attendez. Je crois qu'on va se mettre dans le virage là-bas. Attendez, on va reculer. On s'en fout s'il y a un accident. Voilà. On va aller à droite. Allez. Accélère. On va aller dans le virage là-bas. On a trouvé le Grand Canyon. C'est très bien. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Par contre... Ah oui, ça y est. Ah oui, c'est là. Regardez. Ça a l'air magnifique. Par contre, on va se mettre... Pas au milieu de la route. Je peux ou pas? On s'en fout, hein. Là, il y a Interplay. Il y a Interplay. Apparemment, il y a Interplay. On va remettre la vue comme il faut. On peut peut-être passer à gauche, là. Ça passe ou pas? Oh là là. Ça passe, je suis à l'envers, hein, mais allez hop, on dételle. Allez, on s'en fout de la remorque, on la récupère plus tard. Oh, ça y est, on y est. Waouh, ne pas tomber. Je sais pas si on peut tomber, mais on sait jamais. Mais la vue. Regardez-moi ça. Magnifique. Waouh, 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 waouh. Pop, 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 super. Attends, on va faire une photo. L'objectif, faire une photo du camion avec le lever du soleil sur le Grand Canyon. D'accord? Allez. C'est magnifique. Je te touche pas là. Allez. Voilà. Hop. Voilà. On est pas mal. Faites voir un peu si on fait un test de photo. Photo. Attendez. Voilà. Ça ferait un truc comme ça. Ce serait pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux, attendez. Un peu trop haut. Hop. Un petit truc comme ça, ça peut être pas mal. On va attendre que le jour se lève. Ça y est, on commence à voir le Grand Canyon comme il faut. Ça y est les amis. Il est 4h49 du matin. Regardez, le soleil se lève. Doucement, le jour se lève. Oh, que c'est magnifique. Sérieux. Regardez-moi les détails. C'est un truc de malade. Rien à dire. Ah, c'est super détaillé. Et ma remorque est toujours là. Ma belle remorque est toujours là. Coucou, on aura peut-être même le temps d'arriver à l'heure. Attendez. Je dois livrer avant 12h04. Et là, c'est 5h. Ah, on est à côté en plus. On va peut-être essayer d'aller finir la livraison aussi. T'es. Tant qu'à faire. Le soleil arrive. Oh, regardez, regardez. Il se lève. Ça y est, c'est 5h44.
Allez, 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 on va attendre les rayons de soleil. Waouh, c'est magnifique là. Magnifique. Waouh. Attendre un peu, on va attendre un peu, on va attendre un peu. On le remonte, on le remonte. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà les amis. Il était beau le Grand Canyon. Aujourd'hui, allez, on va finir la livraison. On va essayer de finir la livraison. Allez. On a le temps. On peut arriver à l'heure, je pense. Allez, vite, recule. 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 C'est quelle heure? C'est 6h du matin. Si on arrive à l'heure, ça va le faire. Allez, on recule. Vite, 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 vite. À fond. Allez, recule fort, 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 fort. Pas trop fort non plus. Voilà, hop. C'est pas grave. Allez. Il n'a pas voulu la reprendre. Allez, 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 vite. Qu'on arrive à l'heure, qu'on arrive à l'heure, qu'on arrive à l'heure, vite. C'est bon, vite, t'es. Voilà. On s'en fout, on y va. Waouh, oh, c'est magnifique. Ça passe la remorque? La remorque, ça passe. C'est bon, ça passe. Oh, c'est magnifique là. Oh là là là. Oh là là, on reviendra souvent. Je reviendrai souvent de mon côté en tout cas. Et en vidéo, bien sûr, je vous le remontrerai. Il n'y a pas de souci. Alors là, on fait comme ceci. On prend à droite. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On y va. On prend large. On prend large pour la remorque. J'ai pas remis le GPS. Attendez. On va mettre le rétro. Voilà, comme ça. C'est parfait. Et le GPS comme ça. Parfait. Allez, on y va. C'est bon, il a recalculé. Attention, en rouge. Ouf. J'ai eu très chaud. J'ai eu très chaud. 41 km pour arriver avant midi. Oh, ça devrait être bon. Largement. Largement bon, normalement. Allez, passe au vert. S'il te plaît. Parce que s'il y en a qui arrivent en face, je suis mort. C'est bon. Go. Allez, allez, allez. Qu'on réussisse la mission en plus, ce serait trop fort. Qu'on a attendu toute la nuit, on va réussir la mission. Ça va être super. Bon, là-bas. D'accord, lui, c'est un campeur. Voilà. Et là, on prend à gauche. Personne. Personne, c'est bon, on y va. Allez. On est bien. Pas besoin d'essence, besoin de sommeil, mais ça va. On va y arriver. Allez, mon petit. J'ai un peu un excès de vitesse, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Comme on dit, c'est pour la bonne cause. Oh, un beau soleil là. Allez, c'est parti. Attention, camion. Voilà, on a réussi l'objectif du jour. Ça y est, je suis vraiment content. Il fallait pas que j'aille jusqu'à la livraison. Il fallait que je m'arrête vraiment un petit peu avant. Mais on a trouvé, c'est le principal. Et là, plus qu'à livrer la marchandise. Sans souci, sans souci avant midi. Je suis fatigué, ouais, bah c'est pas un souci, ça aussi. On arrive. On fonce, on fonce. Parfait. Là, je suis au taquet là. 22 km. On y arrive les amis. Et on doit livrer entre dimanche 5h24 et dimanche 12h04. Et c'est dimanche 6h36 du matin. C'est parfait. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Donuts, hot dog. Voilà, ça donne envie de manger. J'ai la dalle en plus. J'ai la dalle. Là, on est bien. Bon, ben, ça va. Personne à gauche, personne à gauche. Et on livre ici. Et voilà, on arrive. On pourra faire le stationnement. Hop, hop, hop. On est très bien. J'espère qu'il sera pas trop dur le stationnement. Alors, attention. Hop, j'arrive un peu vite. Hop. Ceci.
Il est là. Ok. Donc on va se remettre. On va voir. On va le faire. C'est parti. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là-bas. D'accord. Bon, ça va aller. Ça devrait aller, je pense. On va tourner comme ceci. Ça passe. Bon, ça passe en plus, c'est bon. On va se mettre à partir de là. Et parfait. Allez, c'est parti. Allez, on va se concentrer. Ah ouais, j'aurais dû prendre plus large, mais ça a passé. Je sens bien. Allez, passe. Oh, ça passe, ça passe, ça passe. C'est au millimètre près. Hein. Oh là, j'ai réussi le premier coup. C'est bon, ah, ça va rester. Ah, je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. Je pense que c'est parfait, les amis. Et pas beau ce stationnement. Premier coup, nickel. Au millimètre près, j'ai tourné. Et voilà, les amis, ça y est, on a vu le Grand Canyon. Je suis super content. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur du ATS, toujours l'Arizona. On essaiera bien sûr de faire une plus grosse livraison, mais là, c'était vraiment le but de voir le Grand Canyon. On l'a vu, c'était magnifique. Allez, ciao tout le monde.